Good morning, les Yidan et Sutra. Aujourd'hui, le Nishmat, Chaya Esther, Bat Miriam et Moshe Ben Eliou Venish, ainsi que l'Irfouat, Olivier Israël Shimon Ben Chaya Esther, Kamchat Miriam Bat Roselena et Binamid Ben Chaviva, Vetor Shachol Israël. Si vous souhaitez vous aider à une prochaine étude de Mishnah, contactez la 5 minutes éternelles. Nous étudions la Serrette Rouvine, Perik Bet Mishnah Gimel. Rabbi Yehuda Omer Ad Bet Saataim. Amrou lo Amrou Bet Saataim, Ela Legina Ulkar Peth. Rabbi Maya Dir, O Sahar, O Mukse, O Chatzer. Afilu bet chameshet kurin, afilu bet aseret kurin. Mutar, ou mutar l'archik kol shehu bilvad sheyarbe bapasim. Il manque l'introduction à cette Mishnah en fait, parce que c'est rattaché à la Mishnah précédente, vous vous rappelez, Mishnah Aleph Bet, on a commencé à parler des passin les biraot, passer biraot. Passer biraot, c'est les angles que l'on met autour du puits public, pour qu'on puisse boire. Je rappelle vite fait le problème. Un puits en soi-même, c'est un domaine privé parce qu'il a une largeur de plus de 4 tfachim, et 4 sur 4, et une profondeur de plus de 10 tfachim, donc c'est défini comme un domaine privé. Moi qui suis dans la rue qui veux boire de ce puits, si je ramasse un verre d'eau, je le bois, je transgresse l'interdit de porter à Shabbat parce que je prends du domaine privé au domaine public, puisque moi je suis dans le domaine public. Je suis dans la rue de Rabim, donc je porte. Pour pouvoir, maintenant, à l'époque où les Béné Israël montait à Yerushalayim pour boire, il se retrouvait, bien sûr, souvent à passer des Shabbatot en pleine forêt. Il devait organiser un petit campement, il devait s'organiser. Là-bas, il y avait probablement des sources naturelles, il y avait même des sadikim qui creusaient aussi des puits, c'est dans la Gemara, qui creusaient aussi des puits pour que les gens puissent avoir de l'eau fréquemment quand même. Et donc maintenant, il y avait un puits. Maintenant, pour pouvoir porter, il faut le transformer en Rechuta Yachid, sinon on ne pourra pas boire. Comment est-ce qu'on fait? Alors, surtout pour abreuver les animaux, entre parenthèses, c'est surtout ça. Pour la consommation privée, c'est pas tellement, c'est pas des grandes quantités, mais surtout pour les animaux. Et donc maintenant, comment est-ce qu'on fait? On a une certaine permission de mettre des angles, comme ce qu'on avait vu, des amoudim, d'accord, des passim en fait, des diumdin, on avait appelé ça. Diumdim, des doubles amoudim, deux amoudim. Quand on met comme ça des angles aux quatre coins, comme ça on définit un périmètre et on peut porter. Sur ça, maintenant, on va découvrir dans notre Mishnah une discussion entre Rabbi Yehuda et Chachamim sur la superficie maximale du puits, de ce périmètre. On avait vu que, tout d'abord, il faut veiller à ce que les ouvertures ne soient pas plus larges que 10 amot selon Rabbi Meir ou 13,3 amot selon Rabbi Yehuda, 13 amot un tiers. D'accord? Ça, c'est pour les ouvertures. Et si tu veux faire plus large, il fallait rajouter des poteaux. Il fallait rajouter des poteaux, comme ça tu n'as pas des ouvertures trop larges. Bon, ça c'est sympathique, on a compris maintenant comment, quelle allure doit avoir ce périmètre qu'on a délimité avec les passim. Mais maintenant, vient Rabbi Yehuda, il nous dit, mais attention, je te limite sur ça, tu ne peux pas faire n'importe quoi. Tu te limites à une distance de bet saataim. D'abord je le fais à l'oral, comme ça vous allez mieux comprendre. On va faire une introduction très générale où ça a été dit, ces alchav de bet saataim. Bet saataim, ça veut dire littéralement une maison de 2 CA. Une CA c'est une quantité, c'est une mesure en fait, c'est là. C'est une mesure de superficie. Un champ où, quand on veut semer des graines, alors il y a une certaine densité de graines qu'on met, qui était connue à l'époque, ça dépendait des terres, comment elle était fertile et tout ça. Et on définit par une bet saataim, le chatzer mishkan il faisait bet saataim. La cour du mishkan qui faisait 50 amas sur 100 amas. D'accord? Ça, c'est ce que ça veut dire bet saataim. Ça vous fait 50 amas, ça fait 25. Une amas, disons que c'est 50 cm, donc 25 mètres sur 50 mètres. Maximum, vous prenez cette superficie, 25 sur fois 50. En mètre carré, allez, je vous fais, ça fait 625 fois 2, ça fait 1250 mètres carrés. D'accord? Et voilà. C'est la distance maximale selon Rabbi Yehuda. D'où vient cette distance d'abord de Bet Saataim? Cette distance-là de Bet Saataim, elle a été dit sur le Karpaf. Alors on va expliquer maintenant c'est quoi un Karpaf et Gina. Gina et Karpaf. Gina c'est un jardin. Pas un jardin que vous avez dans votre maison, mais un jardin parce que, plutôt un potager, je redis, parce qu'on fait pousser des légumes. Et Karpaf, c'est un endroit qu'on a enfermé pour pouvoir mettre des bois dedans. Selon la Torah, non, on ne va pas rentrer selon la Torah, on va juste définir comme ça, parce qu'il y a des marquettes, qu'est-ce qu'est des horetas, qu'est-ce que c'est pas d'air banane, je préfère pas rentrer dedans, je ne suis pas exact sur les détails,
Mais, quoi qu'il arrive, il y a un endroit, normalement, tout endroit qui est délimité par des barrières, ça devient un domaine privé. Mais c'est pas exact. Il y a une condition supplémentaire qui va varier selon la distance de l'endroit fermé, de l'endroit délimité. S'il a été fermé par des barrières pour qu'il y ait, pour que ce soit habité, mais pas forcément habité, dormir dedans, mais même qu'il y ait une utilisation humaine, d'homme, quoi, enfin, qu'on entre et qu'on utilise, donc ça s'appelle aussi une habitation, alors tu n'es pas limité par la superficie de l'endroit. Tu peux même prendre, si tu veux, 5000 mètres carrés et tu les enfermes, même plus, même 10 000 mètres carrés. Tant que tu les enfermes, tu prends un champ gigantesque. Si tu prévois que tu encercles cet endroit maintenant pour faire une utilisation d'habitation, ça peut être concrètement aller dormir, mais ça peut être aussi manger, ça peut être donner des cours, je sais pas, ça peut être organiser un mariage. Ouais, c'est à la mode en ce moment de faire les mariages en plein air. Eh ben, y a aucun problème. Tu l'encercles pour un tashmish de dira. Par contre, si tu encercles l'endroit qui n'est pas pour un tashmish de dira, ça va être par exemple soit pour planter des graines. Maintenant qu'on plante des graines, on ne marche plus dedans. On n'a rien à faire. On plante, après on vient le récupère, et c'est fini. Donc c'est plus une utilisation, c'est plus un tashmish ben adam. Et idem aussi pour un karpaf, qui est un enclos que tu as fermé pour stocker dedans des bois. Pour qu'en hiver, ensuite, quand on a besoin, tu vas le récupérer. Toi, tu le mets en été, comme ça sèche, j'imagine. Donc, voilà, et ben là, on est limité à cette fameuse distance-là, à cette fameuse superficie de 50 fois 100 amas. 5000 amas carrés. D'accord? Ça, c'est pour le. Alors, ça a été dit maintenant. Donc, cette limite, on a utilisé cette notion-là de Beit Sha'atayim pour te définir que quelque chose qui n'est pas délimité. Un enclos qui n'est pas délimité, qui n'a pas été fermé en but d'utilisation d'habitation, eh bien, tu n'as plus le droit de l'utiliser. Viens Rabbi Yehuda, il va prendre cette halakha, il va l'utiliser maintenant, la mettre en pratique aussi pour le passé biraout. Que puisque le passé biraout, les fameuses angles que tu mets pour délimiter, pour définir le périmètre qui encercle le puits, pour que tu puisses porter. Puisque maintenant, alors là, ça change parce que concrètement, c'est la petite finesse. Concrètement, c'est une utilisation d'habitation parce que boire ou donner à boire à des animaux, c'est une utilisation d'habitation. Normalement, tu devais être délimité par rien du tout. Si tu construisais des vrais murs, tu pourrais faire un enclos, si tu veux, de 10 000 mètres carrés. Il n'y aurait aucun problème, personne ne t'empêcherait. Pourquoi? Tu construis des vrais murs, il n'y a pas de problème. Boire, c'est une utilisation d'habitation. Viens Rabbi Yehuda, il te dit, mais là, quand tu fais des murs qui ne sont pas vraiment des murs, qui sont perforés à n'en plus finir, parce que c'est des petits angles avec de temps en temps un petit poteau pour avoir un petit rappel, et ben là, allez, on arrête de délirer cette fois-ci. Tu limites ça à juste Beit Sha'atayim. C'est l'idée de Rabbi Yehuda. D'accord? Et les Chachamim vont nous dire non. Cette mesure de Beit Sha'atayim, elle a été dite uniquement pour ce qui est une utilisation qui n'est pas une utilisation d'habitation. Là, c'est une utilisation d'habitation. Il n'y a aucune limite de superficie. Tu pourras élargir autant que tu veux les passer birotes en rajoutant des poteaux comme ce qu'on a dit. D'accord? On a qu'à expliquer toute la Mishnah à l'oral, maintenant on fait tout ça dans les mots, regardez. Rabbi Yehuda Omer, Rabbi Yehuda dit, Ad Beit Sha'atayim, jusqu'à la distance de Beit Sha'atayim, 50 sur 100. Bartanon ne le précise pas cette fois-ci, mais c'est connu. Beit Sha'atayim, c'est la Chatzar Mishkan. Amroulo, ils ont rétorqué, Chachamim, Lo Amrou Beit Sha'atayim et la Legina ou le Karpef. La notion de Beit Sha'atayim n'a été dite que pour un Gina. Une Gina, c'est un potager. Ou les Karpef, qui est un enclos de bois, comme le Bartanois nous dit. Karpef, Ekef Gadol, Chutz Lahir, à l'extérieur. Ouais, il faut même que ce soit en dehors de la ville, parce que si c'est en dehors de la ville, c'est encore là, tu l'utilises constamment pour rentrer et sortir, c'est encore une utilisation humaine. Il faut que ce soit en dehors de la ville ou c'est un vrai truc de stockage. Un vrai enclos de stockage. Et là, il gagne le Karpef. Avalimaya dir au Sahar. Par contre, si c'était un enclos d'animaux, ou même un Sahar. Alors là, Sahar, c'est discuté, c'est quoi le mot Sahar exactement? C'est soit aussi un enclos pour les animaux, ou il y en a qui disent que c'est Sahar, c'est une prison, c'est aussi pour les êtres humains. Ou encore Mouktsé au Khatser. Alors Khatser, c'est une cour qu'on a devant les maisons. Mouktsé, c'est ce qu'on a derrière les maisons. Il y avait comme ça un endroit un peu mort, comme ça, mais qui était quand même encerclé, où on mettait des gens toutes sortes de restes qu'on n'utilisait pas. On les mettait là-bas. Eh bien, c'est aussi des utilisations d'habitation, tout ça. À Flou Betra Meshet Kourine, même s'il y a une superficie de plus que 5 cours, à Flou Betra Seret Kourine, même s'il y a 10 cours,
n'y a aucun problème. Moutard, c'est permis, tu n'es limité, tu n'es pas limité par la superficie, tu peux en faire ce que tu veux parce que c'est une utilisation d'habitation. Ou moutard, la chicolchéo, et de ce fait, maintenant je reviens sur les passés birotes, les angles que tu mets autour du puits pour pouvoir définir le lieu, eh bien, ou moutard, la chicolchéo, tu pourras, kolchéo, kavana, kolchéo, rotse, comme c'est la même phrase que la phrase avec la mission précédente. Et donc tu pourras les éloigner autant que tu veux, kolchéo, rotse, autant que tu veux les éloigner, au bilvad, sheyarbe, bapassim, mais juste à condition que tu rajoutes sur les passim, c'est-à-dire les poteaux, que tu en mettes plus, parce que tu fasses attention, à ce qu'il n'y ait pas des ouvertures qui vont être ouvertes à plus que 13 amas et un tiers d'amas. Et c'est tout pour aujourd'hui, je vous souhaite une journée pleine de Hatzlacha, Kol Tov, Salam.